Aujourd'hui, on va faire un film de moments. Une de mes dernières œuvres, Les Moments. Et on m'a demandé, qui êtes-vous? Ça me fait souvenir des premières journées quand je suis arrivé à Paris, à 1951. En entrant au conservatoire, il y avait un homme qui hurlait des noms. Je voulais participer au cours de monsieur. Et j'étais dans le couloir comme tous les autres. À la fin, j'avais pas entendu mon nom. J'étais tout seul dans le couloir. Je ne pouvais pas parler le français. Je l'avais appris après, par la femme de chambre. Et je demandais à l'homme, « Mais écoutez, monsieur, vous ne m'avez pas appelé. Tous les autres sont partis. » Il me disait, « Bien, oui. » Et il me montrait un papier avec tous les noms. Je gardais. Alors, il y avait mon nom, Stockhausen. Il disait, mais j'ai hurlé ce nom 10 fois de suite. Je disais, Stockhausen. Alors, j'avais pas compris, Stockhausen, que c'était moi. Des gens qui applaudissent à l'orchestre. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces gens qui applaudissent? Moi, je voulais intégrer un phénomène sonore tout à fait ordinaire. Un applaudissement est une réaction quand on écoute la musique. Et en commençant cette version de Moment avec l'applaudissement qui, de fur et à mesure, est transformé rythmiquement, dynamiquement, avec des auteurs fixes de temps en temps, en musique, ça m'a beaucoup intéressé. L'autre soir, au concert, et quand à la fin du morceau, les gens applaudissaient, vous étiez très content. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous aimez les applaudissements, donc? Mais bien sûr. Et les gens qui frottent des pieds et qui tapent sur leurs genoux, c'est pour faire joli ou c'est pour faire de la musique? Ça, c'est pour faire des accents, pour supporter la percussion. J'étais très amoureux quand j'ai commencé l'œuvre et je suis toujours. Et qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? Est-ce que c'est pas un peu l'amour de soi? Bien sûr.
L'amour, c'est un contact. L'œuvre est dédiée à une femme, une fille plutôt. Et beaucoup de passages sont dédiés à cette fille. Certains passages sont le grand chant d'amour de Salomon, Cantique de Cantique. Les autres parties, j'ai composées avec les extraits des lettres que j'ai reçues le matin quand j'étais en train de composer. Même des parties avec des réactions du public que j'ai entendues pendant les exécutions de mes œuvres. Des hurlements, chuchotements, en disant oui, non, finissez, bis, sortez, etc. Les autres parties avec des petits poèmes. Un passage, par exemple, qui m'est très cher, est de William Blake. Et il dit, he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. Ça peut être un peu le sens fondamental de l'œuvre, Momente. Flim, so,
Momente, c'est une œuvre que j'ai commencée à 61. Et c'est pas encore achevé. C'est pas encore fini. C'est toute une soirée. Ja, ja. Es war immer zu, sagt auch, es war, hatte mir mehrfach mich darauf aufmerksam gemacht, ja, aber dann ist natürlich zu spät im Konzert. Oui, oui, on discute le problème que les voix solo, ici, on fait un passage avec les voix solo des choristes. Et on ne peut jamais les entendre parce qu'ils sont couvrés par chœur 1 et 4 qui ont des bruits, n'est-ce pas, entre-temps. Alors il faut les faire beaucoup plus faibles. Et lui doit contrôler ça maintenant, si on peut les entendre. 34, 34. Durch dieses Rufen, ne? Durch die Silbe. Das meinte ich. We were not together. Ist mir ganz nah und fern, fern zugleich. Bam! Ganz nah und fern zugleich. Il n'y a pas des histoires dans ma vie. Et j'ai commencé d'écrire une œuvre avec des moments musicaux indépendants, comme des moments de la vie, le plus fort possible. Et après avoir écrit un certain ensemble avec des préparations, des moyens, préparation de temps, d'espace, de couleurs, de proportions, pour tous les moments différents, je me suis dit, voilà, maintenant, une fois que les événements indépendants sont créés, pourquoi pas aussi chercher les rencontres. C'était en janvier 62 que j'ai commencé d'écrire la partition des Momente. Pendant les premiers 8 jours, j'ai fait un plan de la forme générale, un premier groupe des moments, à le titre moment M. Ça veut dire, ce sont des moments qui sont concentrés sur des mélodies. Un deuxième groupe, moment K, en allemand on dit Klang, ça veut dire moment de sonorité. Et troisième groupe, les moments qui sont concentrés sur les durées. Et puis, j'ai pris certaines pages, je les ai coupées en morceaux et j'ai mis des petites pièces de papier dans les fentes des autres. J'avais coupé des fentes. Je les appelle des insertions pour avoir du mémoire de temps en temps de ce qui s'est passé et pour créer de l'espoir de temps en temps. Espoir pour les moments qui vont arriver. La même chose, un M avec une composante, un K avec une composante M.
K avec une composante D et K M K M D. La même chose ici, un K D, un K D M. On voit déjà que ce sont toutes les influences des autres moments à l'intérieur d'un moment qui est dérivé d'un moment central. En tout cas, moi, j'ai rien compris. C'est bien simple. Quand je compose, je pense. Et quand je parle, quand je verbalise de ce que j'ai fait, je peux seulement parler de ma pensée. J'ai entendu moment et ça produit des chocs. C'est des chocs qui sont plutôt érotiques, non? C'est la réaction des gens qui disent que c'est érotique ou quoi? Non, mais si c'est très très fort et très. Ah, ça se peut. Pourquoi pas? Ganz deutlich diese Zwischenrufe. Doch, doch. Nein, nein. Jetzt, jetzt, jetzt. 46, bitte. Ça provoque une réaction sensuelle. Ça peut être dedans, mais je ne me rends pas compte de ce côté-là. C'est-à-dire, je n'organise pas certains effets sensuels, mais je m'occupe simplement de l'organisation de l'œuvre. Martina, give much less in 34. Much less. Yes, go away and all give right. Make it really only mezzo forte. Alles, you come through very nice now. Danke, alle. Je ne cherche ni d'être agressif, ni d'être laid. Je cherche seulement les moyens musicaux. Et puis, je tâche de les composer selon mes idées comme compositeur. Et après, je vois et j'entends la réaction du public. Vous ne cherchez pas le scandale, donc? Moi, je n'y pense pas. C'est un résultat. Mais il faut dire, après tellement de scandales, ça me dérange pendant le travail. Alors, je préfère de travailler tranquillement. Da, ist ein auskomponiertes Ritardando. Siehe, steht hinter unserer Wand. Ganz scharf, unserer Wand. Bitte. Blechbläser auch. Jetzt blechen die Besorgen nicht zu dick. J'ai assez des histoires. J'ai assez d'une œuvre qui va d'un début jusqu'à une certaine fin sans avoir toutes les directions possibles. D'une œuvre dans laquelle chaque chose s'explique seulement par le passé ou par l'espérance de ce qui va venir peut-être ou non. Je cherche de plus en plus une œuvre lyrique. Dans le fond, votre musique, elle est un peu wagnérienne, vous ne trouvez pas? Vous le trouvez? Des côtés très grands comme ça. Ah, moi, je ne savais pas du tout ça. Non? Non, mais quand vous me le dites...
qui peut s'ouvrir à beaucoup des avis différents des interprètes, des chefs d'orchestre, et une œuvre qui est plus vraie, qui n'est pas une histoire inventée par quelqu'un qui se déroule, mais qui n'existe que par le degré de la présence de chaque événement. Auch das ist eine sehr schwere Stelle, denken Sie dran, dass das Tempo sehr viel schneller geht. Unter Rosen weidet und sauber sprechen. 77, der. Sauber sprechen, deutlich. Unter Rosen weidet. Bitte. Der und. L'œuvre, en tout, est une œuvre ouverte. Comme je disais, pas d'histoire qui va d'un début jusqu'à une certaine fin, fatale ou optimistique. C'est un organisme dans lequel chaque événement compte ou rien. Peut-être, je pourrais ajouter qu'avec Momente, j'ai trouvé un départ. Et je ne dirais pas du tout que le problème est fini pour moi. Ça commence. J'avais 10 ans, on m'a mis dans une école d'État, un pensionnat d'État, parce que mon père est devenu soldat et ma mère était empoisonnée. Il n'y avait plus personne à la maison. Et encore un peu plus tard, un homme arrive à la maison quand je suis revenu de la guerre. En disant, j'ai entendu votre père
hurlant. Il était en train de mourir et il disait « Partez, partez. J'ai plus besoin de vous. » Et je vous dis, c'était une impression assez forte parce que je suis parti tout seul. Je n'avais plus personne et je voulais plus personne. Peut-être c'est important de faire quelque chose sans demander à un autre ce que je fais. Sans tourner. Et sans demander si je suis permis de faire ce que je fais ou s'il y a quelqu'un qui l'aime ou non. Ganz langsam ein glissando. Et puis j'ai travaillé toutes sortes de choses dans une ferme. J'étais chef d'orchestre d'un petit théâtre d'opérette, d'amateur après la guerre. Et puis j'ai fait mes études tout seul. J'ai gagné ma vie. J'ai joué du jazz chaque nuit, 5 années. Et à la fin de mes études, je me suis dit, alors pourquoi pas, après avoir tellement des études, d'écrire la musique dans les façons traditionnelles. Pourquoi écrire, pas écrire une pièce à toi? Je l'ai essayé et mes amis et les gens, pendant l'exécution, étaient complètement contre moi, si je veux dire. Ils étaient consternés. C'était un bon signe, nouveau, parce que je me suis dit, alors ça, c'est une bonne direction. Il faut poursuivre celle-là. D'être seul et de faire seulement ce que tu peux faire. Et puis ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Viel Posaunen, die Trompeten. Posaunen zurück. Alle zurück. Tenöre alt. Noch leis vorher. Jetzt könnt ihr kommen. Kommt. Kommt. Thank you.
auch nachher, wenn die Stelle dann kommt, wo dieser Dialog zwischen Ihnen beiden ist. Aber nein, nein, ich verlasse dich nicht. Das ist uns in Basel auch passiert. Sie waren so beschäftigt. Es geht so, tja, tja, und dann müssen Sie schnell rüber gucken, damit ich unser Bett sagen kann. Das verstehen die Männer das doch nicht. Schön. Fantastique. Il faut que ça... que ça se présente à l'auditeur comme à moi. Comme une chose inouïe. Comme quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Inexplicable. Comme la vie. Que je ne peux pas expliquer comme une histoire qui se déroule. Normalement, mais au contraire, que chaque moment compte pour comprendre de plus en plus qu'il n'y a pas des explications. Même quand j'ai raconté certains moments de ma vie, ils n'expliquent rien pourquoi je suis musicien et pourquoi je fais ce que je fais. Bien, travaillons. C'est mieux que parler.